In a small, locked room in the furthest corner of the cellar are Christian's specially prized bottles, the work of a lifetime. Attention, rien à vous. Alors ici, c'est le caveau de vieilles bouteilles qu'on a 20 ou 30 ans, on ne sait plus bien, parce que parfois les marques qu'on fait s'effacent avec l'humidité et puis on ne s'en rappelle plus. Martine, là-bas, les plus vieilles bouteilles de la cave, en réalité, ce sont des magnums qui sont de l'année 1959, qui était une très bonne année avec beaucoup de soleil. Et on a des surprises parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer dans les bouteilles. L'évolution, on ne la connaît pas. Il n'y a que quand on débouche les bouteilles qu'on voit si c'est encore bon ou si c'est obsolète.